dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors vous n'avez pas changé. Système de visée satellite. L'heure est venue, O'Brien. Entrez l'autorisation. Vous qui entrez, laissez toute espérance. J'ai l'impression de revivre tous mes pires cauchemars. La justice divine va purifier la Terre. Vos solutions unilatérales vont donner naissance à un nouveau Veltro, voire à plusieurs. Oui, c'est un risque. Les hommes comme nous existent grâce à ce genre de groupe. Nous devons régler le problème immédiatement. Les enjeux sont beaucoup trop importants. Vous êtes un naïf. Juste un humaniste sans but. C'est une cause perdue, directeur O'Brien. Épargnez-moi vos salades, Morgan. Vous jouez à nouveau avec le feu. Mais cette fois, vous allez vous brûler. La traîtrise n'arrangera rien à la situation. Réfléchissez bien, directeur. Vous pourriez le regretter. Bon sang, vous ne changerez jamais, Morgan. Mais une fois la vérité dévoilée, vous ne pourrez plus reproduire ce genre d'erreur. Parker! Ouais, c'est l'heure de mettre les voiles. Ici Chris, Vermillion, Parker, Jill, écoutez-moi bien. Le bateau est perdu. Mais on ne peut pas laisser le virus contaminer la mer. Jessica et moi, on se dirige vers le Queen Zenobia. Tenez bon. On vous recontacte bientôt. Restez en vie. Terminé.
Vous allez bien? Chris! Oui, ça va. Mais le bateau coule vite. On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Bien reçu, on vous attend. Ok, à tout de suite. Terminé. T'as entendu? Là! Vectro! Vous avez failli rater la fête? On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Compris, on attend. Ok, à tout de suite. Terminé. On y est. Le Queen Zenobia. Oh, mince. Ou plutôt ce qu'il en reste. Sois prudente, on a ta compagnie. Je l'ai pas généralisé. Il y a encore combien?
concentré, il n'abandonne pas. On fait le tour, accroche-toi. Trouvons un endroit pour aborder le Zenobia. On peut aborder ici. Jessica, on a une promesse à tenir. Allons-y. Oh, super, une croisière, rien que nous deux. Dommage que le bateau coule. Très chers agents du BSAA, vous avez arrêté le Regia Solis. Je vais donc vous révéler ce que je sais. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia et les secrets qu'il renferme. Quels secrets ? Réfléchissez. D'abord, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour découvrir le Queen Zenobia ? Comment a-t-il pu naviguer sur la Méditerranée sans être détecté ? Pas par magie. Ensuite, pourquoi Veltro a disparu sans laisser de traces après la panique de Terra Grigia? Et pourquoi vous ne nous le dites pas? Et enfin, pourquoi quelqu'un utilise le Regia Solis pour détruire le Zenobia? Les réponses à ces questions vont vous faire découvrir une vérité dérangeante. Vous auriez pu trouver... Et ça... Jessica! Mais pourquoi t'as tiré? Pour protéger nos hommes. C'est pas ce qu'on doit faire? T'as pas intérêt à crever! Non. Vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi te faire passer pour Veltro? Qu'est-ce que t'essaies de dire? Découvre la vérité sur Terra Grigia. Quelle terrible perte. Ce bateau n'en a plus pour longtemps. On peut pas laisser ce virus contaminer la mer. On a déjà fouillé le Queen Semiramis. Je crois que je sais où se trouve le labo. Allez, on y va. Ok. Je vais essayer de trouver un moyen de ralentir le naufrage.
Jessica, tu me suis? Ouais. Bon. Ça va nous apporter un peu de fraîcheur, ce changement de partenaire. Compris. On s'occupe du virus. Essayez de gagner du temps. Ok. Jill, ça fonctionne partout, même sous l'eau. Ça devrait les ralentir. Merci, Chris. Autre chose, j'ai repéré les emplacements possibles du labo. Il a même pas compris. Quel nul. Ah, il est peut-être déjà pris, Jessica. Alors Raymond était derrière tout ça? Non. Je pense qu'on ne connaît qu'une partie de l'histoire. Beaucoup de points de cette mission restent encore à éclaircir. Jill, pas par là. On doit trouver le labo. Attention, l'eau grouille de créatures infectées. C'est compris. Juste devant. Et c'est ça. J'ai trouvé cette clé sur le Semiramis. Si les bateaux sont identiques, le labo doit être par là.
Enregistrement de l'empreinte. Enregistrement de l'empreinte terminé. Chambre de stérilisation, un par un. Stérilisation en cours. Veuillez patienter. Mais qu'est-ce que... Pourquoi essayer de cacher ce labo sur un bateau de croisière? C'est une couverture parfaite. Qui chercherait ici? C'est vrai. J'espère qu'on va finir par comprendre ce qui se passe. Le virus est là, quelque part dans ce laboratoire. Alors voilà le secret du Zenobia. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation.
approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia et les secrets qu'il renferme. Quels secrets? Jessica, et pourquoi t'as tiré? Vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi te faire passer pour Veltro? Qu'est-ce que t'essaies de dire? Découvre la vérité sur Terra, Grigia. Alors voilà le secret du Zenobia. Voyez-vous ça? Incroyable. Mais qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que t'as fait? Fait du tout. Oh, dis pas qu'il n'y a plus de batterie. Oh, ça craint. Je commence à y voir plus clair dans cette conspiration. On doit retourner à l'aéroport. Et vite. Hé, mais attends. Même l'autre équipe a mis les voiles. Qu'est-ce qu'on fait encore là? C'est bon, j'ai un plan de secours. Je peux nous faire rentrer avec un PDA. Eh ben pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Si ma théorie est juste, alors la vérité, c'est que Veltro est... C'est trop tôt. Tu te fous de moi, là? Évitons toute conclusion hâtive. Il me faut plus d'infos. Ok, trouvons cet ordinateur. Il y a une zone qu'on n'a pas explorée par là. J'espère juste qu'il a un processeur super puissant. Ce sera le pied. Une arme biologique. Je savais que Veltro était dans le coup. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quoi? On s'en fout! Allez, tire, bon sang! Veltro est revenu, c'est pour se débarrasser de quelqu'un. Il devait faire le ménage. Non, c'est pas le moment d'inventer une théorie du complot. J'arrive pas à y croire, c'est un vrai MB-28 ? Grinder, c'est ce dont j'ai toujours rêvé ! Pire qu'un gamin dans un magasin de jouets. C'est qu'un ordinateur. Ok, passons aux choses sérieuses. C'est quoi ce délire ? Il se passe rien ! Qu'est-ce que t'as fait, Quint ? C'est pas moi ! Il faut plus de courant ! Le MB-28 suce un max de jus ! Il doit y avoir un générateur dans le coin, j'en ai besoin. Ok. Reste là et prends du bon temps avec ta petite copine. C'est parti.
J'espère que cette vieille carcasse rouillée va marcher. Y a pas assez de jus pour recharger le MB-28. Y a pas d'autres générateurs? Ok, puissance max, lancement de l'analyse. Tu trouves quelque chose? Non, je dois d'abord craquer les codes de cryptage de ce truc. Mais ça ne devrait prendre que quelques minutes sur mon petit MB-28. Les Grinders! Je m'en charge. Je vais leur régler leur compte. Est sacrément lente, tu le sais, ça, Quint? J'avais pas vu. L'intrusion dans le système a dû donner l'alerte. Essaie de les retenir. Ok, mais tu vas avoir une sacrée dette. Encore combien de temps? Ça commence à sentir le sapin, là. Ces monstres invisibles! Garde-le à l'œil! Enfin, sois prudent! Merde! J'en connais plus d'un qui serait en train de pleurer!
Ok, je pense qu'on peut regarder ces données maintenant. Prêt ? Je vois, ça explique tout. Ça explique quoi ? Qui est derrière Veltro ? Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va lui demander. Hey, ici Forkball. O'Brien, j'écoute. Hein ? C'est quoi ce bordel ? C'est O'Brien qu'on cherche ? Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Veltro n'a jamais repris ses activités. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Vous avez fait revivre Veltro. Tout ça pour faire réagir une certaine personne. Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. J'ai analysé les journaux, chef, et j'ai trouvé un truc intéressant. Faites-moi voir ça. Oui, chef, vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? Erreur de connexion ? Ah, on s'est fait repérer ! Hé, hey, quick ! Deux hommes qui en savent trop, recherchés mort ou vif ! Exactement comme dans le jeu du contrôle ! Tu veux crever avec tes machines, imbécile ? Ah ! Non, attends, j'y suis presque ! Quint ! Kiss ! On doit empêcher le virus de se répandre. Oui, le système de contrôle doit être dans le labo. Chris !
Système de contrôle du labo. Ça marche? Il nous faut le code d'accès pour activer l'agent neutralisant. Ok. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Parfait. Il faut un peu de temps pour comprendre ces commandes. De la porte. Je l'ouvre. Sois prudente. Ok, je vais faire attention. À quel genre d'arme biologique on a affaire.
Chris, écoute un peu ce que je viens de découvrir. Morgan Lansdell du FBC est à l'origine des attaques sur Terra Grigia. Alors voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien. Mais j'ai pas trouvé de preuves directes. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. Téléchargement terminé. Tout va bien? Ouais, pour l'instant. Jill. J'ai le code d'accès. Bien joué. Neutralisons ce virus maintenant. Autorisation confirmée. Lancement du programme de neutralisation du virus. Félicitations, BSA. Vos activités ont été révélatrices. Morgan Lansdell. Je savais qu'O'Brien et son chien Raymond mettaient leur nez dans mes affaires. Mais j'ignorais que vous étiez aussi de la partie. Ça a été ma seule erreur, d'ailleurs. Alors c'était vous. Vous avez attaqué Terra Grigia. Jill, attention! On dit là que mes erreurs vont disparaître. Neutralisation du virus terminée. Ah, j'aurais dû m'y attendre de la part des agents qui ont fait tomber Umbrella. Malheureusement, vous n'en avez plus pour longtemps à jouer aux policiers et aux voleurs.
J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave pour que j'intervienne personnellement. J'ai un très gros défaut. Certaines choses me dérangent, même minuscules, et je dois éliminer la moindre imperfection. Le BSA, ce cher directeur O'Brien, toute votre organisation, vous n'avez apporté que des ennuis. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout. Ne soyez pas stupide. Regardez. Votre destin est entre mes mains. C'est pas vrai. Le Queen Zenobia.